Bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes le mercredi 20 janvier 2021, il est 19h30 GMT, bienvenue dans cette édition. Le sommaire, la plateforme Debout sur les remparts exige le départ de l'armée française. Autre actualité, dans le cadre du 20 janvier 2021, la cérémonie de remise des dons de l'Association pour la cohésion sociale aux femmes et aux enfants tombés sur le champ de l'honneur. Pour conclure, le lancement d'un programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence. Et bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre Mousso TV. Comme je le disais tantôt, la plateforme Debout sur les remparts exige le départ de l'armée française. De ce fait, la plateforme a organisé une manifestation sur le boulevard de l'Indépendance ce mercredi 20 janvier à 14h. Je vous invite à suivre le reportage de Oumou Sako. Ce mercredi 20 janvier 2021 a eu lieu une marche organisée par la plateforme Debout sur les remparts, dirigée par Adaman Ben Djara, dit le cerveau, au boulevard de l'Indépendance. Les manifestants demandaient le départ de la France du territoire malien. Malgré que la marche n'a pas été autorisée par le gouvernement malien, il y avait beaucoup de manifestants déterminés pour défendre leur cause. Après une demi-heure, cette marche fut interrompue par un affrontement entre les armées et les marcheurs. Autre actualité, dans le cadre du 20 janvier 2021, une cérémonie de remise des dons a été organisée par l'Association pour la cohésion sociale aux femmes et enfants tombés sur le champ de l'honneur ce mercredi 20 janvier 2021. Je vous invite à suivre le reportage. L'association Ofafout est une association qui soutient les orphelins et les veufs de nos femmes qui ont perdu âme pendant la guerre. Cette association a décidé de faire un don à ce jour 20 janvier 2021, qui est le jour de naissance de l'armée malienne et de son indépendance. C'est dans ce cadre que l'équipe Mousso TV s'est rendue au SAD 26 mars pour en savoir davantage. En réalité, je pense que j'ai envie de pleurer. Je n'ai pas envie de rigoler ici, mais j'ai envie de pleurer. Quand tu vois les femmes là, qui ont perdu leur mari, juste pour une cause noble. Donc pour moi, on doit les soutenir à 100%. 100%. Et si on a la capacité même de leur donner une maison, ça allait me faire plaisir encore. Donc je demande à toute la population malienne de se mobiliser pour faire plaisir à ces gens. Parce qu'il y aura vraiment besoin. Bon, avant de commencer, je remercie tout le monde pour leur déplacement, pour nous rejoindre, à vraiment nous accompagner dans notre donation. Je suis très heureux et très content d'être là aujourd'hui avec mon ami, mon frère Amara Malé, dont on a eu l'initiative à vraiment mener ce projet et ce combat. Comme il a si bien dit, le gouvernement fait de son mieux pour ses veuves ainsi que ses orphelins. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas aussi de contribuer, nous, notre avantage à accompagner le gouvernement dans cette lutte envers ces personnes qui sont dans le besoin demandé. On invite tout le peuple malien à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de vraiment venir nous épauler, nous accompagner dans cette initiative pour notre pays, le Mali, qui est dans cette situation datée de depuis 2011 à nos jours. Franchement, on fait appel à tout le monde de venir nous accompagner, que ce soit les cadres, que ce soit les opérateurs, que ce soit qui que ce soit. On fait appel à tout le monde de venir vraiment nous accompagner à ces projets, à cette initiative, à mon frère, à mon ami, mon collaborateur, Amara Malé. Ces intervenants ont lancé un appel aux autorités maliennes de se serrer la coude pour soutenir la famille de nos femmes qui ont perdu âme pendant la guerre. À présent, COVID-19, le lancement d'un programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence. Le gouvernement du Mali a procédé au lancement des opérations de paiement de programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence destiné aux ménages pauvres et vulnérables dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 le lundi 18 janvier 2021 à Bamako. Cette opération d'assistance consiste à apporter une aide financière d'un montant
de 90 000 francs CFA à chaque ménage jugé vulnérable afin d'atténuer les impacts économiques et sociaux de la pandémie au Mali. Le gouvernement du Mali tient sa promesse faite aux ménages pauvres et vulnérables du pays d'apporter un appui conséquent en vue d'atténuer les effets de la pandémie du coronavirus, ce qui traduit ce besoin et toute l'importance que le gouvernement accorde à ce vaste programme d'assistance sociale destiné à nos populations meurtries et affectées par les effets de la maladie, a déclaré Fassiré Doumbia, représentant le ministre de l'économie et des finances à la cérémonie de le lancement. Cette mesure gouvernementale, dont la première phase atteindra 352 900 ménages sur 1 million de ménages ciblés à travers tout le pays, constitue le plus vaste programme d'assistance sociale mis en œuvre au Mali. Elle mobilisera la somme de 100 milliards de francs CFA entièrement financée par le budget national. Notons que ce projet se situe dans le cadre du programme de filets sociaux au Mali, Djigui Semeyiri, chargé de la mise en œuvre du programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence. Toujours au Mali, Emmanuel Macron annonce un ajustement des troupes au Sahel. En présentant mardi à Brest ses vœux aux armées, le chef d'État a évoqué un possible redimensionnement des troupes françaises présentes au Mali et au Niger. Son discours était attendu après la mort de 5 soldats fin décembre, début janvier au Mali. Emmanuel Macron a évoqué un ajustement des forces françaises du Sahel lors de la présentation mardi 19 janvier à Brest de ses vœux aux armées. Alors que des voix de plus en plus nombreuses s'interrogent en France sur la poursuite de l'opération Barkhane, 8 ans après le début de l'intervention anti-djihadiste dans la région, le chef de l'État a évoqué un possible redimensionnement des troupes françaises sur place en affirmant que d'ores et déjà, les résultats sont là, les résultats obtenus par nos forces au Sahel conjugués à l'intervention plus importante de nos partenaires européens vont nous permettre d'ajuster notre effort, a-t-il dit, en rappelant que les renforts de 600 hommes décidés l'an dernier étaient temporaires et que depuis est entrée en action la force Takumba qui réunit plusieurs pays européens. Nous allons conclure cette édition avec du sport Chan 2021 face au Cameroun. Le Mali vise la qualification ce mercredi. Vainqueur du Burkina Faso 1-0 pour le compte de sa première journée effectuée le samedi 16 janvier, le Mali peut se qualifier pour les quarts de finale du Chan 2021 dès la deuxième journée de poule en cas de nouveau succès sur le Cameroun ce mercredi et qu'en même temps le Burkina Faso et le Zimbabwe font match nul dans le second match de la poule A. Désigné équipe favorite de la poule A par bon nombre d'observateurs, le Mali et le Cameroun ont tenu leur rang lors de la première journée du Chan 2021. Pays hôte, le Cameroun a idéalement lancé son tournoi face à une vaillante équipe du Zimbabwe qui a longtemps tenu bon avant de finir par céder à la 72e minute sur une réalisation de Salomon Charles Banga. Quelques heures plus tard, c'est au tour des aigles locaux du Mali de se faire respecter par les étalons du Burkina Faso qui n'ont que jusque-là pas enregistré la moindre victoire en 3 participations à une phase finale au Duchan. Face à une équipe qui aligne 6 matchs sans succès, le capitaine Djigui Diarra et ses partenaires n'ont eu aucun sentiment de pitié pour infliger un 7e revers. Voilà, ainsi prend donc fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi ce journal. Bon suivi de programme sur Mosso TV. Que le bon Dieu assiste le Mali. We'll be right back.